petit, c'est moelleux et ça colle un petit peu au doigt. Ah, qu'en pensez-vous, bande de petits coquins? Les sushis? Ah, autant pour moi. Nous sommes au Shogun et c'est place de l'Occitane. Comme vous avez pu le remarquer, au golf, on se plaque les cheveux en arrière. Sinon, ça marche ça, pas. C'est la base, ça. Casquette, obligatoirement, golf. Alors, sushi, je me suis régalé ce soir. J'ai pris des California, tomaki, petites algues autour, graines violettes, enfin le truc très original. Bon, moi, il faut savoir que j'ai mon bureau juste à côté. Et donc, on vient souvent manger à midi. Donc, bon, on connaît le patron depuis un petit moment. Vous connaissez, ouais. J'ai pris un peu de tout. C'était un menu découverte, sushi, yakitori, des brochettes, un peu de tout. Et manger du japonais avec des petits airs de flamenco, de salsa d'ailleurs. Sympa, ouais, ça change un peu, ouais. C'est original. Ah, sympa. Alors le plus de la soirée, vraiment, c'est l'orchestre. Après, ils nous ont passé ce qu'on a voulu, donc on s'est régalé. Oui, j'ai commandé un Johnny Hallyday, je l'ai eu. Bon, tu sais que je suis fan de Johnny. Musique voilà, en live. On avait un droit à un orchestre apparemment qui est là régulièrement, les week-ends, le vendredi, le week-end, je sais plus. On écoutait de tout en fait, en plus c'est pas forcément du jazz ou quoi que ce soit, enfin ils chantent de tout. L'ambiance est sympa, ça va, c'est calme. Vraiment, j'ai vraiment adoré, énormément de choix sur la carte, tout était bon, poisson, viande, sushi, soupe, enfin tout, vraiment de A à Z, vraiment c'est vraiment un japonais que je recommande. Après, énormément d'originalité, que ce soit dans les plats, dans le vin, enfin énormément. Tout à l'heure on en parlait du riz à la violette, quoi. Enfin, on voit arriver des plats extrêmement bien présentés, originaux, tout ça, avec du riz violet. Alors on se demande ce que c'est du riz à la violette, j'en avais jamais mangé, pourtant j'ai fait beaucoup de japonais. J'ai vraiment pas grand chose à dire, si ce n'est que c'était vraiment parfait. Vraiment j'ai aucun reproche à faire. Non, c'est hyper cool, ouais, d'avoir ça maintenant sur la place. Ça manquait d'un restaurant chic, classe. Parce que ça, c'est un restaurant qu'on connaît pas forcément, parce que justement, c'est Place Occitane, un endroit pas forcément très visité. Oui, la Place Occitane. Ben, en fait, depuis qu'elle a été en fait, c'est beaucoup plus sympa. Ouais, Singapour. Saint-Ol. Saint-Poly. Saint-Tropez. Saint-Jérôme. Saint-Barthélemy. Saint-Jean-Bobby. Saint-Nicolas. Et ben, ce qui est différent des sauces, c'est que nous, on est plutôt les japonais, un peu moderne, tendance. On aime créer des nouveautés, on fait des recherches tous les jours. Comme du riz violette, c'est nous, on est les premiers à le faire. Et puis tout ce qui est des maquis, californiens maquis, californiens maquis aux cacahuètes, aux amandes grillées. On essaye un petit peu de sortir un peu du resto traditionnel, parce que tout le monde se ressemble, donc on essaye de faire un petit peu des choses un peu tendance, moderne, tout en gardant des touches japonaises. Il y en a vraiment pour tout le monde, oui. Il y en a pour tous les goûts, ceux qui n'aiment pas les poissons crus. Il y a des brochettes, il y a des beignets, des tempura qui est beignet japonais, qui est très, très fin, très raffiné. Allez, c'est toi là. Ah non, c'est toi là. Bah non, regarde.